Et salut. Alors, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent avec vos compétences. Alors, ça s'adresse aux joueurs qui ont déjà passé quelques temps sur Avonlane parce qu'il va falloir avoir plus de 5 500 000 points de compétences pour pouvoir commencer à revendre ces points de compétences. Donc, vous voyez, ça n'arrivera pas tout de suite. Hein, et donc, il faut un compte Omega hein, pour pouvoir utiliser ce système. Donc du coup voilà, donc toujours avoir dans sa file d'apprentissage des compétences parce que voilà un jour vous allez pouvoir les revendre. Alors au début vous allez apprendre les compétences dont vous avez besoin et ensuite bah, vous allez pouvoir revendre les compétences que vous ne vous servez pas. Donc c'est quand même intéressant et ça fait un revenu régulier. Alors pour ce faire c'est très simple. Vous allez aller dans un hub commercial pour pouvoir avoir les prix les plus intéressants. Et vous allez chercher donc dans le marché. Donc c'est dans service pour les pilotes, commerce de compétences, extracteur de compétences. Et vous allez acheter un extracteur de compétences. Donc c'est en moyenne autour de 500, en général sur l'année, c'est autour de 500 millions, l'extracteur de compétences. Donc c'est pour ça que je disais aussi que ça s'adresse aux joueurs qui ont déjà joué au jeu, parce que c'est sûr qu'au début, vous n'avez pas 500 millions. Et ensuite, donc une fois que vous avez cette somme, enfin même un peu plus, parce qu'il faudra revendre une item, donc compter au moins, ouais, avoir plus de 600 millions, et plus de 5 500 000 points de compétences, vous allez pouvoir utiliser cet extracteur de compétences. Donc une fois que vous l'avez acheté, il va falloir donc sortir de votre vaisseau et double-cliquer sur cet extracteur pour l'activer. Ensuite, vous choisissez une compétence dont vous n'avez pas besoin. En double-cliquant dessus, vous allez donc récupérer 500 000 points de compétence. Donc ça va vous enlever 500 000 points de compétence de cette compétence. Et en cliquant sur extraire, vous allez donc perdre votre extracteur, mais vous allez gagner un grand injecteur de compétences. Et ce grand injecteur de compétences, vous allez pouvoir le vendre en moyenne, c'est autour de 950 millions. Sur l'année, j'ai remarqué qu'on arrive à le vendre autour de 950 millions. Donc vous voyez, entre 400, donc vous achetez un item 500 millions, hein, l'extracteur, et vous revendez donc 950, autour de 950 millions le grand injecteur de compétences. Donc ça fait quand même un bénéfice de 450 millions. Alors moins les frais de vente, la taxe de vente. Donc si on enlève la taxe de vente, je pense que vous allez être autour de 400 millions ou 380 millions par là, je pense autour de 400 millions de bénéfices nets. Donc ça c'est pour une compétence vendue. Donc et en moyenne, donc vous voyez une compétence niveau 5 donc pour récupérer 500 millions de points de compétence, ça vous prend autour de 15 jours. Hein, donc par mois vous pouvez en vendre 2. Hein, donc 400 millions x 2, donc 800 millions par mois. Donc ça c'est, on va dire, la première chose. Ensuite, il y a un moyen d'optimiser ça. C'est-à-dire que là, ces compétences-là, par exemple, je prends l'exemple de celle-là, mais ça marche avec toutes les compétences. Ces compétences-là, vous pouvez les passer à 10 jours. Donc du coup, au lieu d'en vendre 2 par mois, vous allez pouvoir en vendre 3 par mois. Hein. Et pour ce faire, donc il va falloir optimiser les attributs. Donc, par exemple, pour cette compétence-là, je vais faire clic droit, afficher les infos, attributs. Et là, vous voyez, attribut principal intelligence, attribut secondaire mémoire. Donc, dans mon personnage, dans attributs, je vais reprogrammer pour redistribuer mes points et je vais mettre tous mes points dans intelligence et le reste dans mémoire. Ce qui va me permettre de baisser. Alors ça, en faisant ça, vous n'allez pas arriver totalement à 10 jours. Pour vraiment arriver à moins de 10 jours, enfin autour de 10 jours, il va falloir en plus de ça acheter donc les implants. Les implants, donc là en l'occurrence, là j'ai besoin de intelligence et mémoire. Donc il va falloir donc dans implants, optimisateur d'attributs, il va falloir que j'achète donc là par exemple l'implant
L'implant 2, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est mémoire. Voilà, donc si je vais dans info, il me fait gagner plus 5 de mémoire. Ensuite, je vais dans l'implant 4 pour avoir celui d'intelligence. Hein, ici, je crois que c'est l'intelligence. Voilà, et donc si j'achète celui-là, j'achète un implant et je l'active, ça me fait avoir un bonus de plus 5 en intelligence. Et avec ce système-là, vous allez encore pouvoir gagner du temps. Et donc là, on vend 3 par mois, donc ce qui va vous faire 400 millions x 3, donc 1,2 milliard par mois en optimisant. Mais bon, déjà, même sans optimiser, vous gagnez quand même pas mal d'argent par mois et sans rien faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et si jamais vous n'avez pas utilisé, débloqué, comment dire, réclamer votre million de points de compétences, je vais mettre un lien dans la description pour pouvoir avoir gratuitement, si vous ne l'avez pas déjà fait, recevoir 1 million de points de compétences. Donc n'hésitez pas. Voilà, allez, bon jeu, salut!